Bonsoir Rachida Dati. Bonsoir. On a entendu les souhaits de quelques Clermontois, la gratuité des musées, des maisons de la culture. On va en parler tout au long de cette interview. Mais à ceux qui ne vous attendaient pas là, que leur répondez-vous Je crois que ce n'est pas l'interrogation des Français que je sois ministre de la Culture, c'est en totale cohérence avec mes combats et mes combats de vie, qui ont été celui de la cohésion républicaine, de la citoyenneté. Et moi, je pense que la, la culture participe de la construction de la, de la citoyenneté. Nous sommes dans une période où la cohésion républicaine est, est un petit peu malmenée, on est, où on est soit sur du repli sur soi, soit sur du rejet de l'autre, soit sur de l'affrontement. Et moi, je trouve que la culture, comme l'école d'ailleurs. Participe de la construction de la citoyenneté, mais aussi elle participe de la cohésion républicaine. Ça permet à chacun, à vous, à moi, de pouvoir avoir une, une communauté de destin, d'être dans une communauté de destin avec des parcours différents, des histoires différentes, des engagements différents, mais ça nous permet de pouvoir vivre ensemble dans, dans cette belle République. Une visite à Clermont-Ferrand sur le terrain, vous avez rencontré des acteurs de la culture, euh, des élus ruraux également. Quel est le, le message politique de cette visite, Rachida Dati Quand, euh, quand j'ai pris mes fonctions, ça a été dans mon discours de passation de pouvoir, mais euh, plus précisément dans, dans, dans ma feuille de route que m'a confié le Président de la République, c'est de pouvoir faire accéder à la culture, mais aussi au métier de la culture, le plus grand nombre. Et quand je dis le plus grand nombre, bah, ce... Ça correspond soit à ceux qui sont très isolés, très éloignés de la culture, mais aussi ceux qui sont dans des territoires où l'offre culturelle est très dense, mais sans motivation et sans incitation. Et donc sur la ruralité, je le rappelle, je dis à chaque fois ce, ce chiffre, 22 millions de Français en zone rurale. Et donc ces 22 millions d'habitants euh, ont droit à la culture comme les parisiens ou dans les endroits où effectivement l'offre culturelle est extrêmement dense. Et on se rend compte, moi j'ai fait mon premier déplacement à en nontron dans le Périgord, la première chose qui vous frappe quand vous arrivez, c'est la mobilité. C'est que vous pouvez avoir des beaux musées, une belle salle de spectacle, un beau cinéma, si vous n'avez pas les moyens d'y accéder euh, c'est pas la peine d'investir dans la culture. Et donc la mobilité, l'accès à la culture, et puis pour ceux évidemment où la offre culturelle est très dense, c'est de trouver des moyens de les motiver, de les inciter à, à s'intéresser à la culture. Pourquoi je dis ça Parce que on s'est rendu compte aussi. Vous avez vu quand on a des classements liés aux écoles, là où l'école peut reculer c'est là où la culture a beaucoup reculé. Et donc je pense que l'école et la culture, ça va ensemble. Et d'ailleurs, les fondamentaux, les premières bases, pour notamment ceux qui n'ont pas l'habitude de la culture ou de l'accès à la culture, c'est qu'on fait ses premiers pas dans la culture. Grâce à l'école. Et ensuite, c'est une formation continue tout au long de, tout au long de la vie. Vous faisiez allusion à votre déplacement dans le Périgord, notamment, euh, euh, pour suivre l'initiative de, de l'école qui a mis en place le design des mondes ruraux, l'école des arts décoratifs. Euh, ce programme, il est amené à se perdurer, notamment à se développer à Ambert, dans le Puy-de-Dôme, en 2024. Euh, comment ça passe, cet accompagnement du développement d'une culture accessible en milieu rural? Ça passe par tous les leviers. D'abord, je rappelle que les collectivités locales. Moi, je, je, je suis aussi. Je, je conçois mon rôle de ministre de la Culture. C'est pas un rôle uniquement le ministre qui fait les expos, les vernissages euh, d'une administration centrale. C'est aussi la ministre des élus locaux qui sont en soutien à la culture. Aujourd'hui, les collectivités locales investissent beaucoup plus que le ministère de la Culture dans la culture. Et pendant très longtemps, et je sais de quoi je parle, pendant très longtemps, la culture c'était pas accessoire, c'était réservé à certains, y compris pour des élus, en disant finalement le budget il n'est pas prioritairement à mettre sur la culture. Et on s'est rendu compte que là où le tissu social, où le tissu euh, euh, se déchirait, où il y avait des fractures, où l'égalité des chances n'était plus vraiment là, où on avait une désintégration. On se rendait compte qu'effectivement, il n'y avait pas de culture du tout. Et, et vous avez eu beaucoup d'élus qui se sont engagés fortement dans la culture avec cette prise de conscience-là. Et on l'a vu. Regardez avec les émeutes et avec, il y a eu des violences urbaines. Moi, j'en ai connu beaucoup plus jeunes où c'était très violent, où tout, est, tout était cassé, tout était brûlé. Et donc, la culture a permis de recoudre un peu ce tissu social. La culture et la ruralité, vous labourez un peu ici, sur les terres de, 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 de Laurent Vauquier. Euh, on est au Festival international du court-métrage, auquel il a coupé une partie des subventions euh, cette année, la moitié des subventions, euh, notamment pour les redéployer euh, sur euh, le monde culturel rural. C'est quoi votre venue aujourd'hui au Festival du court-métrage C'est aussi un, un pied de nez à votre famille politique à Laurent Vauquier Vous y allez euh, curieusement <laughs> Moi je fais des pieds de nez à personne. Je suis ministre de la culture, je suis ministre de la Culture pour tous les Français. Et euh, moi je tiens à dire, Laurent Vauquier euh, est un élu, président de région, très responsable. Et vous ne pourrez pas le dire le contraire. Il a fortement investi dans la culture. C'est celui qui a mis le plus d'argent sur la culture dans cette région. Et elle continue. Vous le dites vous-même. Ce matin, moi j'ai eu une réunion avec l'ensemble des élus ruraux de toutes couleur politique. Et tout le monde se, évidemment, se réjouissait de ces investissements importants dans la ruralité pour accéder à la culture. Et donc, son investissement dans la culture est un investissement important, c'est un investissement lourd et qui est pérenne. Ensuite, vous avez évidemment des choix aussi euh, des priorités à avoir. Il y a eu un petit malentendu et d'ailleurs avec le président Roux euh, qui était à mes côtés qui ne doit pas être très loin. Il s'en euh, une... voilà. est expliqué. Il y a eu un malentendu. Il s'en est, est même excusé parce qu'il y a eu véritablement un malentendu sur ce sujet. Et moi, je, je, je suis convaincue que de toute façon, ils se reverront prochainement parce que ce festival, c'est un bien commun. C'est un bien aller. collectif de tous ces élus, que ce soit Olivier Bianchi, que ce soit les députés, les sénateurs, les élus ruraux. C'est Laurent Vauquier et c'est effectivement Éric euh, Roux. Et vous avez rassuré euh, les personnes du festival sur son avenir, en tout cas Mais, Vous savez que le CNC a beaucoup, d'ailleurs, a augmenté. La subvention et le soutien à ce festival, et c'est pour ça que je voulais en témoigner. Je serai toujours aux côtés de ce festival que je connaissais même avant d'être ministre de la culture, parce que c'est un festival qui est très populaire, qui est très divers. Regardez les publics. On avait une réunion. Je, je les vois qui sont derrière avec des jeunes réalisateurs, des jeunes producteurs. Oui, fait signe. Très divers et euh, ça amène des, des, des publics différents, des auteurs différents, des acteurs culturels différents et tous les âges, toutes les générations. C'est là où il faut être. Et donc, et moi je considère que le, le court métrage, alors certains disent c'est l'antichambre du long métrage. Moi je pense que c'est aussi un, un point d'entrée pour entrer dans le cinéma, mais c'est un point d'entrée aussi pour entrer dans la culture dans le sens le plus large. C'est le deuxième festival après le Festival de Cannes. Donc euh, euh, si je ne suis pas au côté de ces acteurs culturels, mmh. je ne sais pas euh, au côté de qui je peux être. Hein. C'est le sens de votre venue aujourd'hui. Euh, de la même manière que vous vous intéressez au, au grand écran, euh, vous portez beaucoup d'attention au petit écran. Un mot sur euh, l'audiovisuel public. On entend régulièrement euh, votre attachement à, à nos médias publics. Quel avenir lui réservez-vous à cet audiovisuel public Je l'ai dit avant d'être ministre et sur des chaînes de l'audiovisuel public. Moi, j'y suis très attaché. J'allais dire, on a tous quelque chose de service public, d'audiovisuel public en nous. Vous êtes, euh, êtes jeunes, bon, on n'a peut-être pas les mêmes euh, souvenirs, mais moi, je me suis construite grâce à cet audiovisuel public. Moi, j'avais des parents qui ne savaient pas lire et ni écrire. Mais à cette époque, il y avait évidemment peu de chaînes, et mais il y avait un socle commun culturel. Mon père était ouvrier. Il pouvait parler le lendemain dans son usine avec son chef d'équipe, avec son patron, du programme qu'il avait pu voir la veille, les dossiers de l'écran. Donc il y aura toujours un le cinéma de dit. minuit, le, au théâtre ce soir, la variété, mmh. Maritie, Gilbert, Carpentier. Non, mais c'est un sens euh, tout ça pour une grande partie des Français. C'est d'ailleurs pour ça que les Français soutiennent cet audiovisuel public. Mais aujourd'hui, on a quand même des forts bouleversements, des mutations technologiques importantes, l'irruption de l'intelligence artificielle, le public n'est plus le même, les jeunes sont plus du tout sur, mmh. sur ces écrans que vous venez de mentionner, et donc on va pas rester comme ça à regarder non seulement le train passer, mais le train nous écraser, si je puis dire, et donc il est important de le réformer. Moi, je suis consciente, c'est une réforme importante, auquel tient d'ailleurs le président de la République, auquel les parlementaires tiennent, puisque vous le savez très bien, il y a déjà un texte qui avait été adopté au Sénat. Je pense qu'il faut le porter, parce que sinon, je vais vous dire, à un moment donné, l'audiovisuel public est de proximité. Vous faites partie de cet audiovisuel de proximité. Il sera réduit, pas une portion congrue, vous n'existerez plus. Mais avec et donc, objectif eh ben D'abord, euh, il faut des coopérations, des synergies. Comme et ce ça. Soir. Oui, mais sur les réseaux. Non, mais sur les réseaux locaux, il y avait les réseaux de proximité. Il y avait effectivement une volonté de fusion qui avait commencé. Et d'ailleurs, Madame Ernot s'y était engagée, y compris sur la, la gouvernance unique. Elle s'y était aussi engagée à cette époque quand le texte, quand euh, les débats ont commencé. Donc, faut juste. Euh, changer d'avis et donc cette réforme je l'apporterai. Je vois les parlementaires, je dois rencontrer vos dirigeants euh, très prochainement. J'ai des intuitions, j'ai des convictions. J'ai regardé les rapports qui sont sortis puisque Merci. il y a eu de nombreux rapports sur ce sujet. Et donc il faut il faut pas esquiver le débat, il faut pas le contourner, il faut pas non plus se dérober et il faut être Merci. responsable. Et moi j'appelle à la responsabilité, à la déontologie de chacune et de chacun. Merci beaucoup, Merci. Rachid Adati, continuez à regarder le service public.